Bonjour, Stéphanie Hypnothérapie. Je vous propose une nouvelle vidéo pour vous aider à augmenter votre confiance en vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de penser à le faire car cela m'apporte beaucoup de soutien. Je remercie d'ailleurs mes abonnés pour leurs commentaires, leur confiance et leur fidélité. Cette chaîne est la vôtre. Et pour veiller à ce que vous y trouviez les vidéos que vous attendez, j'ai mis en place un système de sondage pour vous permettre de choisir le thème des séances. Normalement, si vous êtes abonné, vous recevrez une notification de mes demandes d'avis et vous pouvez aussi vous rendre dans la partie communauté de ma chaîne pour les découvrir. Vous êtes, à ce jour, 66% à avoir choisi une vidéo pour retrouver la confiance en soi. Je dis bien « retrouver », car la confiance en soi est quelque chose que l'on possède au début de sa vie. Un enfant en a besoin pour apprendre à marcher et se relever chaque fois qu'il tombe, car il possède en lui la certitude d'y arriver. C'est aussi indispensable pour apprendre à parler, et peu importe si les enfants n'arrivent pas à prononcer parfaitement les mots du premier coup, ils se lancent et persévèrent jusqu'à y parvenir. Un peu plus tard, lors de l'apprentissage de langues étrangères, nous commençons à hésiter, de peur de nous tromper ou de mal prononcer les mots et d'être ridicule. Cette vidéo a pour but de vous reconnecter à cette confiance innée qui subsiste toujours en vous, pour oser devenir la personne que vous êtes réellement. Pour commencer, prenez le temps de vous installer confortablement. Assis, la tête bien calée ou allongée si vous préférez. Coupez le téléphone et remerciez-vous de prendre ce moment pour vous. Un moment pour instaurer un changement bénéfique, profondément en vous. Fermez les yeux. Et commencez par prendre une grande et profonde inspiration. Retenez l'air quelques secondes avant de vider complètement vos poumons, doucement, pour installer le relâchement. Recommencez. Inspirez profondément. Bloquez quelques secondes et relâchez tout. Vous êtes prêt à commencer ce voyage en vous-même pour vous reconnecter à cette capacité d'être sûr de vous. Maintenant, vous allez imaginer tout autour de vous une bulle ou une sphère lumineuse qui constitue votre énergie vitale. Laissez venir ce qui vient. Peut-être une vibration. Une couleur. Peut-être une sphère de plus en plus grande qui vous entoure et vous protège. Imaginez maintenant des racines qui partent de votre coccyx et de vos pieds. Des racines qui s'enfoncent profondément dans le sol pour vous ancrer à la terre. Laissez vos racines s'étaler aussi profondément et largement que vous pouvez imaginer. Maintenant, visualisez l'énergie rouge de la terre qui remonte par vos racines et se concentre dans votre chakra racine, à la base de votre colonne vertébrale. Imaginez une boule lumineuse de couleur rouge. Si c'est une autre couleur qui se présente à vous, laissez venir ce qui vient. Imaginez que cette lumière qui brille développe votre ancrage et votre stabilité. Tel un arbre solidement arrimé à la terre et à ses forces. Et peut-être que maintenant cette énergie se diffuse en vous, dans l'ensemble de votre corps. Peut-être que vous la visualisez ou que vous la ressentez se diffuser en vous.
vous vous sentez de plus en plus solide et prêt à laisser cette énergie vibrante se diffuser dans votre sphère, dans votre bulle, tout autour de vous. Un peu plus à chaque respiration. Vous êtes bien, calme, profondément ancré dans la terre. Vous vous sentez stable et solide. Et je vais maintenant décompter de 10 à 0. Chaque chiffre vous emmènera deux fois plus profondément en vous-même. Deux fois plus profondément vers la relaxation bénéfique et indispensable au changement. 10. Vous ressentez cette énergie vibrante autour de vous. La température de l'air. La position de votre corps. 9. De plus en plus calme et confiant. 8. Plus profondément en vous-même. 7. Vous avez confiance de découvrir vos réponses. 6. Deux fois plus profond. Votre esprit vogue à la dérive. 5. Vous êtes de plus en plus léger. 4. De plus en plus détendu. 3. Vous êtes parfaitement relâché. 2. Vous êtes presque arrivé dans cet état propice au changement. 1. L'état de transe s'installe profondément. 0. Vous traversez cette porte, ce passage qui mène à votre inconscient, votre guide, qui va vous accompagner pour induire profondément le changement en vous. Et peut-être que cet inconscient qui va imprimer chacun de mes mots pour vous permettre de retrouver votre confiance. Peut-être qu'il va se montrer sous une forme ou une autre. Peut-être une forme animale, humaine, une lumière, une présence qui va vous accompagner sur ce beau chemin de nature qui se dessine maintenant ou dans quelques secondes autour de vous. Vous avancez, peut-être dans une forêt, peut-être dans la campagne ou sur une plage, je ne sais pas. Laissez venir ce qui vient. Ressentez votre corps en mouvement qui avance sur ce chemin, un pas après l'autre. Observez les couleurs de ce merveilleux paysage. Écoutez les bruits. Ressentez la chaleur du soleil sur votre peau. Juste assez chaud pour vous sentir bien. Libre. Au fond de vous, vous savez que vous sentez que vous avancez vers cette partie de vous la plus confiante, cette partie de vous la plus sûre d'arriver à ses fins. Puis maintenant, j'aimerais que vous imaginiez devant vous un grand bâtiment, peut-être un temple, le temple de la libération qui se profile peut-être déjà. Un bâtiment ancien ou moderne, je ne sais pas. Mais je sais que vous êtes devant cette grande porte qui mène dans le temple de la libération. Vous vous sentez en sécurité dans votre bulle et vous franchissez le seuil, déterminé
à retrouver cette confiance en vous, en vos capacités innées d'être capable. Un large hall se dessine devant vous. En son centre, vous découvrez un puits. Un puits profond qui plonge jusqu'aux entrailles de la terre. Prenez le temps de bien le voir et avancez jusqu'à ce puits. Puis, imaginez que vous placez l'une de vos mains au-dessus du puits. Et dans cette main, vous allez faire s'écouler tout ce qui fait obstacle à votre confiance. Tout d'abord, vous allez imaginer un liquide qui s'écoule de votre main. Un liquide de la couleur de votre choix. Un liquide qui contient toutes vos peurs conscientes et inconscientes. Ressentez tout d'abord la peur de ne pas être à la hauteur qui s'évacue de votre corps pour se perdre dans les profondeurs de la terre. Ressentez votre corps qui se libère de cette peur de l'échec et de cette peur de déplaire aussi inutile que pesante. Ressentez votre corps qui se libère de ces peurs inutiles, des peurs pesantes et bientôt dépassées. Ressentez les parties de votre corps qui se libèrent. Peut-être votre gorge, de tous les mots que vous n'avez pas osé prononcer. Peut-être votre ventre qui se libère de toutes les fois où vous n'avez pas osé dire non. Peut-être votre plexus solaire de toutes les situations où vous n'avez pas osé vous lancer, vous affirmer, je ne sais pas. Laissez venir ce qui vient. Libérez-vous du poids des regards des autres. Laissez venir les images qui se présentent. Libérez-vous, libérez-vous, libérez-vous. Ressentez le relâchement bénéfique, la libération. Et plus ces peurs et ces doutes s'écoulent dans le puits, et plus vous vous sentez léger, libéré. Et plus vous vous libérez de toutes ces peurs conscientes et inconscientes qui vous encombrent, plus vous vous sentez léger. Ressentez. Visualisez. Entendez ce liquide qui s'écoule dans le puits. Ressentez votre corps qui se libère de plus en plus. Dédoté de cette pression dépassée du passé. Et je vais me taire un instant pour vous laisser éliminer et s'écouler au fond du puits tout ce qui vous empêche de croire en votre capacité de croire en vous. Maintenant que vous êtes plus léger, libéré de vos peurs conscientes et inconscientes, libéré de tout ce dont vous aviez besoin de vous libérer, vous avancez dans ce temple jusqu'à vous retrouver face à un miroir, un beau miroir. Dans ce miroir, vous allez laisser s'installer une image de vous qui évolue dans un domaine où vous avez confiance en vos compétences.
peut-être au travail, en train de conduire, de faire le ménage, de jouer à un jeu, de pratiquer un loisir, peut-être de cuisiner un plat qui plaira à coup sûr, de rassurer un ami ou un enfant. Peu importe, laissez venir cette image de vous, confiant et sûr de vous et de vos compétences dans ce domaine précis. On a tous un domaine où on se sent à l'aise et compétent. Et je vais me taire un instant pour vous laisser trouver le vôtre. Et observez cette partie de vous qui a confiance en vous. Très bien. Maintenant, dans ce miroir, vous allez faire apparaître l'image d'une personne qui vous aime sincèrement et qui croit en vous. Peut-être un parent, un ami, un enfant ou peut-être même un animal qui a totalement confiance en vous. Laissez cette image s'installer dans le miroir et ressentez cette confiance qui vous est offerte. Sentez-la rayonner en vous et autour de vous. Laissez-la s'installer et rayonner dans cette bulle de sécurité qui vous accompagne. Puis, dans le miroir, votre reflet apparaît de nouveau et vous allez observer ce reflet avec la même confiance dans le regard que cette personne qui était dans le miroir précédemment. Observez dans le miroir ce reflet de vous totalement en contact avec ses ressources, ses capacités. Cette personne capable de s'adapter à toutes les nouveautés qui se présentent sur sa route. Cette personne dotée d'une capacité d'adaptation infinie. Et votre inconscient écoute, observe et met en place cette belle assurance. Il vous reconnecte à vos ressources, votre confiance, votre énergie, votre capacité d'être, de réussir en vous adoptant en toute confiance. Maintenant, en face de vous, dans le miroir, la version la plus confiante de vous vous observe. Peut-être cet enfant qui a appris à marcher et à se relever. Peut-être une version adulte qui croit profondément à sa capacité de réussir, de se reconnecter à cette belle assurance naturelle qui se trouve déjà en vous. Et plus vous observez avec bienveillance cette partie de vous qui possède la confiance absolue d'y arriver, de réussir, en s'accordant le temps qu'il faut, d'avancer un pas après l'autre vers l'assurance nécessaire à votre équilibre. Et plus vous devenez cette personne capable de croire en elle. Et maintenant, dans ce miroir, des images d'un futur où vous observez des changements subtils mais importants. Un futur où vous avez de plus en plus confiance en vous. Un futur où votre confiance grandit chaque jour davantage. À partir de maintenant, vous prenez votre place un peu plus chaque jour. Vous réactivez cette confiance innée en vos capacités, en votre pouvoir personnel d'être confiant. Ressentez la vibration de confiance qui se diffuse en vous
et dans cette sphère qui vous entoure. Respirez cette confiance. Soufflez cette confiance. Ressentez cette connexion oubliée qui se rétablit et va continuer à grandir au-delà de cette séance. Remerciez votre inconscient pour son aide et maintenant, vous allez pouvoir tranquillement quitter ce temple après avoir souri à ce reflet le plus confiant de vous dans le miroir. Vous prenez le chemin du retour avec confiance, énergie, vitalité. Vous quittez le temple de la libération, mais vous connaissez maintenant son emplacement et vous pourrez retourner chaque fois que vous aurez besoin. Reboostez cette confiance ou vous libérez de vos peurs pour retrouver totalement votre confiance en vous, en la vie, en vos capacités d'adaptation infinies. Prenez un instant pour ressentir cette force nouvelle, pour l'ancrer et la graver profondément dans chaque cellule de votre être et tout autour de vous. Et je vais compter jusqu'à 5. Au chiffre 5, lorsque vous allez ouvrir les yeux, votre confiance sera plus solide et un peu plus grande chaque jour. 1. Inspirez profondément cette assurance. Bloquez quelques secondes et relâchez tout. 2. Ressentez le changement, la transformation, la libération dans votre corps et votre esprit. 3. Vous êtes de plus en plus léger. Vous pouvez commencer tranquillement à bouger les mains et les pieds. 4. Vous pouvez vous étirer, bâiller, reprendre contact avec cette réalité transformée, améliorée. 5. Et dès que vous êtes prêt, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, en pleine forme. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à la recommencer autant de fois que nécessaire pour vous reconnecter à cette confiance qui est déjà en vous. N'oubliez pas que l'on avance toujours un pas après l'autre, à son rythme, vers son but. Félicitez-vous de chaque petite victoire, en gardant l'esprit que les petits ruisseaux forment les grandes rivières. À bientôt.